Oh mon Dieu, j'ai l'air d'un déchet. Bonsoir, c'est P.L. Cloutier, me reconnaissez-vous? Je suis tellement malade là. Ça fait 3 jours que je parle pas. C'est genre la première fois que je parle depuis la fin de semaine, depuis que je suis revenu de Gatineau. Je faisais comme attention pour pas perdre la voix parce que ce soir c'est le spectacle, c'est la tournée à Sherbrooke. Mon Dieu, je suis tellement stressé là. J'ai pas dormi de la nuit. Je vais faire attention pour pas trop parler aujourd'hui parce que faut que j'aie de la voix pour le show. Oh mon Dieu, j'étais comme. J'ai considéré annuler le spectacle de ce soir, mais il y a comme trop de monde qui ont organisé leur plan autour de ça, puis c'est comme vraiment compliqué à annuler un spectacle, puis je me sentais trop mal par rapport à ceux qui ont comme prévu leur semaine de relâche là, pour être à Sherbrooke ce soir. Fait que je pouvais comme pas annuler. Fait que je vais être là ce soir. Je vais vous montrer tout. Faut que je recule. Je vais vous montrer les médicaments qu'il faut que je prenne là. Je suis allé voir mon médecin d'urgence hier pour qu'il me prescrive des médicaments là. C'est genre une dose de cheval. Ça, c'est la première chose qu'il faut que je prenne. C'est des PMS prednisolone. J'ai demandé pour savoir c'est quoi, là. C'est des stéroïdes. C'est fait pour, comme, tout désenfler ma gorge, puis tout ce qui pourrait, comme, pas bien aller, là. Hier, j'avais le cou tellement large, j'avais la tête super enflée, fait ils m'ont donné des stéroïdes. Si j'allais aux Olympiques, là, je serais disqualifié pour dopage avec ça. Fait que je prends ça. Faut que je prenne ça aux 4 heures. C'est comme un décongestionnant. Aussi, j'ai des pastilles Cepacol, genre antibiotiques. Puis, il faut que je prenne des Advil juste pour comme être certain que tout aille bien. Puis ça, c'est Eve qui m'a donné ça pour ma gorge. Fait que toute la journée, je vais me faire des tisanes avec du miel dedans. Bon, là, je vais prendre ma douche. Puis, j'espère que ça va bien aller après ça. J'ai plus de voix. Je suis malade. C'est la tournée ce soir. Je suis de bonne humeur. Oh mon Dieu, c'est un désastre. Ça fait vraiment rien pour ma gorge ni ma santé, mais c'est pour le moral. Est-ce que j'ai l'air moins malade? Il y a rien qu'une couche de bébé crème peut pas arranger. C'est Cynthia Dulude qui m'a conseiller cette bébé crème de la marque Marcelle. Elle m'a dit que c'était genre sa préférée, celle qui comme paraît le moins, là. Je veux pas avoir l'air maquillée, mais je veux comme avoir l'air moins malade. Oh! Puis j'ai rajouté 2 items à ma trousse que je vais emmener à Sherbrooke pour survivre à la maladie. Ma boîte de Kleenex. Puis ça, genre mon tube de Purell pour me désinfecter les mains, là. Je pense que je vais faire un message à tous pour le meet-up de pas me toucher là. J'ai comme pensé aussi annuler la portion meet-up, mais en même temps ça a trop pas rapport. Je sais que comme tout le monde a envie de prendre des photos, puis moi aussi j'ai envie de prendre des photos, fait on annulera pas le meet-up, mais je vais faire comme un message à tous de je vous conseille vraiment pas de me toucher ou de me faire des câlins ou n'importe quoi, mais au cas où il y en a qui a quand même envie, je vais genre me Purell les mains avant chaque personne qui va passer pour les photos là. Je vais genre avoir une croûte de Purell là, mais je veux trop pas infecter personne. Puis là, j'attends de la visite. J'ai pas encore le droit de vous dire c'est qui, parce qu'il voulait qu'on vous garde la surprise, mais j'ai de la visite qui s'en vient. Ouh, suspense. Mais qui est là? Mais qui est là? Allô? Hey, ça doit pas arriver souvent que c'est les invités qui vous filment. Allô? Hey, là, Anouk, c'est lui qui salue. non, mais je vous fais pas la bise ou rien, là. Je suis tellement malade. Hey, attends, tu gagneras pas, hein? À ce jeu-là, hey, j'ai genre c'est ça, ma bonbonne de Purell, là, je vais... Anouk est un peu gros qu'on a mis là. Pour vrai? Fait que je te touche pas de la journée. Attends, mais... Je suis tellement contente de te voir! Moi aussi, mais attends, j'ai prévu quelque chose pour toi. Je t'ai prévu un petit masque, là. Fait que là, j'ai-tu le droit de le dire, là? Oui! Oui! J'ai gagné le concours Accès illimité! C'est notre grand gagnant, notre découverte Accès illimité! Mais c'est fou parce que c'est vraiment toi là, qui est sorti directement numéro 1 parmi tous les artistes. Ça aurait pu être des humoristes, des chanteurs, des comédiens, mais c'est un YouTuber, c'est fou! Hey, je le sais, puis comme je regardais là, compulsivement, genre 8 fois par jour, là, je suis comme, ok, là, va. Oh mon Dieu, là, ça remonte. Oh mon Dieu, ok, mon nom est là, puis en tout cas, quand j'ai eu l'appel, parce que ça fait genre 2-3 semaines que je le sais, mais j'avais pas le droit de le dire. En tout cas, je suis vraiment excité. Non, mais bravo! Quelque chose en grand, là, on sort à deux! Mais oui, c'est ça, ça arrive pas. C'est la deuxième fois en 7 saisons qu'on sort ensemble. On peut-tu rentrer ou on reste? Ben oui, je peux vous faire un café aussi si vous voulez. Ouais, bon, ok, je dépose le vlog, on s'en parle plus tard. Allô, le vlog!
Oh mon dieu. Hey, là, j'ai parlé. J'ai comme fait des. Faut pas que je fasse des sons aigus, en fait. Ah. C'est ça qui tue tout. Bon, là, on est dans l'auto. On va partir pour Sherbrooke. J'étais un peu comme angoissé, là, parce qu'on a une heure de retard sur l'horaire. Puis, ils ont comme tout équipé l'auto avec genre comme. Ça, j'ai envie de le flatter. C'est genre pour le son, puis tout. Fait que là, on est une heure en retard. En plus, faut qu'on arrête en chemin. Je pense qu'on va avoir comme au total une heure et demie de retard. Tout va bien. Tout va bien été. Oh là là, le voyage a été dur pour mes cheveux. Je viens d'arriver à Sherbrooke. On a débarqué le stock dans la salle. OK, ils vendent full. Mais je vais juste vous montrer. Il y a une borne pour que je branche mon auto. J'aime tellement ça, là, les salles avec des bornes. Je vais pouvoir rouler électrique. Oh mon dieu, il fait trop froid. OK, on se revend dedans. Je viens d'arriver à la salle de spectacle. La première affaire que j'ai fait, là, je me suis fait un petit thé. J'ai trouvé la machine pour me faire des tisanes. Fait que ça, c'est un genre de thé vert sans caféine. Là. Ça, c'est une autre affaire. J'ai réalisé là, tous les médicaments que j'ai pris depuis ce matin. C'est comme des trucs qui comme active ton corps, là, fait que j'ai comme un peu des palpitations, je sais pas. Au moins, ma voix est de retour, là, pis j'ai pas l'impression que, comme va falloir, je me batte toute la soirée contre ma voix, fait que, il y a ça de rassurant. On a fini la répétition, j'ai encore de la voix, j'ai encore monté aussi, puis là, je mange une salade, tout le monde mange Saint-Hubert, c'est le bonheur. Je crois rêver. J'ai comme pris une loge à part, pas pour être bête avec personne, là, mais c'est vraiment juste parce que, là, je veux prendre une demi-heure. Ce que j'ai pas fait vraiment depuis le début de la journée, je vais prendre une demi-heure pour me la fermer. Ça va tellement me faire du bien. Je me suis fait une huitième tisane au miel. Là, j'ai mes bouteilles d'eau. Je vais mettre une bouteille d'eau de chaque côté de la coulisse ce soir, là. Comme si jamais j'étais en train de mourir, je vais pouvoir aller là. Puis je vais réviser tout mon texte. Puis je vais peut-être me prendre des shooters de miel. Mon dieu, ça va commencer. J'entends au loin DJ Flo qui fait son set. Je suis vraiment comme rassuré, là. J'ai un petit peu plus de voix que je m'attendais finalement. Et là, j'arrive dans la coulisse. Oh mon dieu, je suis stressé aujourd'hui, là. J'ai hâte de faire le show, mais j'ai surtout hâte de pouvoir me dire que j'ai réussi puis je suis pas mort en chemin. Fait que. Il y a la scène qui est là, tous les accessoires sont là, puis ça va commencer dans genre 5 minutes. Es-tu nerveux? C'est le pire. Ah oui? À cause que t'es malade? Je me sens pas en pleine possession de mes moyens. Ça va être bon. J'ai survécu. Hey, je n'ai plus de voix là. À la fin, là, j'essayais de donner tout là, mais j'ai plus de voix. J'ai survécu, mon Dieu! J'ai vraiment là, oh mon Dieu, je savais que ça ferait ça. Comme aussitôt que la pression baisse, là, ma voix est comme en train de partir. Là, je vais me changer super rapido. Il y a encore la gang d'accès limité qui sont de l'autre bord. Puis je mets des vêtements propres comme pour être le moins contagieux possible. Oh mon Dieu. Hey, sérieux là, je pense que ça va être le meet-up où je vais le moins parler au monde là. Je vais genre écouter comme les gens parce que je veux. Ah mon Dieu. Je veux plus parler. Hey, mon Dieu, ok, mais vraiment tout le monde est resté là. Allô? Encore le meet-up, tout le monde est encore là. Yeah! Yeah! C'est parce que. Ok, vous étiez bon. On a nos deux cheerleaders de Accès Limité. Ils sont là pour craquer tout le monde. Moi, j'étais tellement essoufflé, là. J'ai jamais sauté de main. On n'a pas un cardio pour te suivre, là. Ils m'ont dit qu'ils restaient pas partis. Non, mais en fait.
Parce que là, je sais, ça va prendre encore genre au moins une heure. Là, mais... parce que nous autres, faut qu'on retourne au centre de personnes âgées, hein. On n'est pas jeunes. On a dépassé le couvre-feu. Ah, bon, ok, je veux pas que vous soyez dans le. Le manger mou était servi tôt ce soir, oui. Jeunesse comme ça, ça peut veiller jusqu'à 4-5 heures du matin. Exact. On est en tournage demain. Exact. Oui, mais là, faut juste dire à tout le monde, c'est quand on va voir le reportage. Non, mais c'est vrai. Marche, puis, Effectivement, en fait, donc on invite tout le monde à voir le reportage le dimanche 26 mars. Le dimanche! C'est 26 mars! 26 mars! Vous prendrez votre calendrier, c'est un dimanche! Non, mais ce qui est fou en fait, c'est que l'émission va être consacrée à Isabelle Boulay et PL Cloutier. Mais voyons, c'est bien! C'est le line-up le moins prévisible au monde, j'adore! Pensais-tu te retrouver dans un même show qu'Isabelle Boulay? Mais j'adore Isabelle Boulay! Je suis un saut inconsolable! Prends soin de toi, guéris-toi vite! Oh mon dieu, oui, faut que je reprenne les forces! On va aller prendre du purel, nous autres! Oui, j'en ai pas loin! Parfait. Bon, fait que, bye. Mon Dieu, c'était quelque chose comme journée. Là, je vais redéposer la caméra, le vlog continue, puis je vais vous parler à l'hôtel plus tard. Je suis pas encore rendu à l'hôtel, là. Je veux juste vous montrer. Ça, c'est les cadeaux que j'ai eu au meet-up, comme de toutes les fois, là. Ben, il y a deux, trois affaires à moi, là, genre mes souliers, puis les trucs noirs, là. Mais le reste, c'est tous vos cadeaux. OK, amenez ça à ma voiture. Oh, mon Dieu, je peux pas croire qu'il me reste encore de la voix. Wow! Merci à tout le monde. Je vais déballer ça une autre fois dans un YouTube live. J'ai survécu à la journée! Mon Dieu, j'y croyais comme pu. As-tu survécu à la journée, DJ Flo? On vient d'arriver à l'hôtel. C'est trop bizarre, là. Il y a genre des étudiants ici ce soir qui sont en mode party. Puis moi puis Flo, on est comme, non, nous autres, on monte à l'étage. Ciao, bye! Oh mon Dieu, je suis tellement content de... Ben, je suis content d'être passé au travers de la soirée. Il y a comme des petits points... Comme moi, je le sais, là, comme il y a des petites affaires qui sont arrivées pendant le spectacle que je le sais que j'étais pas mon meilleur, mais je pense que tout le monde a comme aimé. Toi, tu fais. Il est très bon, il se met trop de pression. Ah, t'es fine avec moi. Mais vraiment, merci à tout le monde qui était là, là. Je pense que c'était le meet-up le plus fou depuis le début. J'en reviens pas des cadeaux. Genre, faut que je trouve une solution juste pour les ramener dans mon auto parce que demain, on embarque quelqu'un d'autre puis on a comme pas de place pour l'embarquer. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai aucune idée. Fait que merci à tout le monde qui était là, ça a duré 2 heures le meet-up, les derniers, vous avez tellement été patients là, merci, 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 puis je vais vous tenir au courant pour, ah mais un instant, je vais vous le dire, je peux plus parler, il faut que je vous dise merci pour vrai parce que là tantôt ça c'est comme Anouk puis Jean-Philippe arrivaient, fait que là j'essayais de vlogger puis leur dire alors en même temps, mais vraiment merci à tous ceux qui ont voté pour le concours d'accès limité, là, j'en reviens pas. Il y avait vraiment des artistes de calibre qui étaient comme dans le concours, puis comme ils nous ont choisis, en tout cas, je trouve ça trop hot. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là. Puis si vous avez aimé ma journée, donnez un thumbs up! Wow, je me suis rendu à la fin du vlog, peux-tu croire? Ouais, you made it! Oh, ok, salut! Que le Gangnam Style. J'ai tout donné.